Béni, béni le douanier. Voilà. C'est ça, on est beau. Georges Aboké. Nous, on te respecte. Boko Kouti. On fait tout pour te cahier. Donc, Karim. Donc, pardon, faut nous respecter. Solo qui va voler, Guillaume. L'épouse de Charlie. Oui, c'est de ça, on dit, oh. Commandant Vecchio. Ça a commencé, il y a plus de 20 ans. Oui, exactement, ça a commencé, il y a plus de 20 ans. Le Zoulou dans le temps. Guillaume, ma mère. On était à cette université, n'est-ce pas le torse-mille? Ouais, la cité voilà. Universitaire, le KwaZulu Natal à Yopougon. Je vous dis, et c'est avec cette belle mélodie du groupe Zouglou Vecchio que nous vous disons bonjour depuis chez vous. Est-ce qu'on peut monter le vide du côté de la magie? Et puis tu vas l'auteur, mon pays, oh. Entre les signes d'Afrique, c'est ça qui va tuer, oh. Paul Thomas Ouattara, Arthur Moroko, Arthur de Fambo, Choco, mon commandant Choco, c'est l'Ida Bebo, c'est l'Ida Bebo, moi où je t'en m'a cassé l'Ise, allez à l'Iso, à cassé l'Ise, à ta dédicante, comment tu as fait pour viser, oh. Bonjour à tous les travailleurs de la cité royale de la paix à Ben Boubandu. Bonjour au président Amel Tano, le président du CNJCI qui nous reçoit depuis son bureau, j'ai envie de dire. Depuis son bureau, n'est-ce pas le corps fils? Ouais, oh, le morceau là, ça me rentre là-dedans, ça me rentre là-dedans. Voilà, frère. Alex avance le qui. Tu n'as pas dit que Zoulou est tombé. Ça ne peut pas me mentir. Ça ne peut jamais tomber. Oui, le Zoulou ne peut pas tomber. Le Zoulou ne peut pas tomber. Et nous avons une pensée pour l'élite vocale de ce groupe qui est un fils d'Aben Gros, oui. Roger Adom. Roger Adom, ouais, Roger Adom, en tout cas, qui a fait ses preuves. Il est parti malheureusement, il a laissé quand même beaucoup de choses derrière lui. Oh, les Zoulous, est-ce qu'on peut continuer la suite de la musique, la suite. La... population de la Côte d'Ivoire et du monde entier, nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons une très 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 belle semaine. En ce lundi, voilà, début de semaine quand même, hein, il est important de détendre un peu l'atmosphère quand on est au bureau. Ne serait-ce que nous suivre 10 petites minutes pour gagner plus en punch. Voilà, nous souhaitons une bonne semaine à tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Et surtout bonne santé à tous les Ivoiriens. Et que tout le monde ait la force de travailler pour que la Côte d'Ivoire ait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Quoi. Ah, beaucoup. Pour que l'économie soit, l'économie de la Côte d'Ivoire soit très, très forte. Oh non, voilà. Très, très forte. Et pour qu'on puisse organiser une bonne CAN. Ah ben, bien sûr, une bonne CAN en tout cas. Vous voulez pas qu'on nous envoie des stades d'autres pays? Les gens, ils ont pris les stades, on ne sait pas où on va déposer. Le Cameroun est en train de transporter son stade. Sur un Boeing 747, s'il vous plaît. C'est ça qui est le problème. Alors, un petit coucou à tous nos amis camerounais depuis Douala, depuis Bafoussam, depuis Yaoundé, qui nous suivent depuis le Cameroun, des Cap Coni Cameroun. Moi, je dis aussi bonjour à mon ami Patrick Lévesque, qui est devenu un grand homme de Dieu. Patrick Lévesque, qui avait un centre de football à Keiko Abobo, aujourd'hui qui est devenu un homme de Dieu. Je lui dis bonjour. Ah, j'ai dit bonjour à Maman Fatou qui prend son temps pour nous suivre depuis le quartier Plateau à Ben Gourou. Bonjour Maman Fatou. Et cette musique-là, c'est pour toi. Hein. Alors, c'est seulement Roger Adam, le Zoulou Makers, vraiment, c'est un groupe. Mais malheureusement, on ne les sent plus depuis que Roger Adam nous a lâché. Ouais, Cass, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile des amis qui étaient ensemble, un membre du groupe. Brutalement qui part. Ouais, il faut d'abord psychologiquement, c'était difficile à accepter. Mais là, ils sont en train de refaire surface. La dernière fois que je les ai vus, ils sont passés à une télé là. Ils ont expliqué un peu pourquoi ils avaient fait
Enfin, c'était un peu reculé. Mais là, je crois qu'ils vont revenir bientôt. Voilà, ah, avec un nouvel album. Ah, ils vont revenir bientôt et c'est tout le mal que nous souhaitons au groupe Zouglou Mekeuz qui nous a fait tant rêver et qui continue de nous dominer. Ouais, avec son titre Djamo Djamo que nous venons d'écouter, c'est un titre qui a fait. Ça, c'est ce qui va tuer. Djamo Djamo, c'est Djamo Djamo. C'est notre titre. Ouais. Djamo Djamo, c'est notre titre, mais est-ce qu'il peut me donner un peu, légèrement. Ça, c'est Djamo Djamo. C'est ça qui va tuer. Nous allons planer sur l'actualité sportive, nous allons planer sur l'actualité même au niveau politique, social et économique à travers les quatre coins du monde. Le Père Hospice, voici ce qui va nous entretenir tout au long de cette émission. Je rappelle à nos amis abonnés de UM.TV que vous suivez l'émission Oxygène matinale. Et tous les matins, c'est comme ça, avec une bonne ambiance accompagnée du Père Hospice, bien sûr. Et bientôt, nous aurons le groupe qui va venir ici, Les Experts. Les Experts pour venir nous donner de la variété musicale en semi-live à l'une de nos émissions. Mais on annonce déjà ça ici même, exclusivement sur cette émission-là. Vous dites que les espèces seront de la partie avec nous, le Père Hospice. On va commencer avec en souhaitant Yako à tout le peuple marocain. Ouais, c'est malheureux. Le peuple marocain s'est réveillé à 3h du matin sur les décombres. Wow. Ouais, là, c'est malheureux. Nous disons vraiment Yako aux Marocains qui sont en Côte d'Ivoire, wow, qui ont leurs parents qui sont dans ces décombres-là. 3000 morts, c'est, pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Psychologiquement, ils sont atteints. Mais je crois que le gouvernement est en train de faire un effort pour les recaser eux tous. Parce qu'ils ont tous perdu 50 000 habitants. Il faut recaser plus de 3 000, 4 000. C'est pas facile. Donc vraiment, il y a quoi là, aux Camerounais? Enfin, pardon, il y a quoi aux Marocains? Les Camerounais, ils sont en train de vous faire quelque chose quand même. Cette histoire des carnages, de ménager tous les Ivoiriens. Hein? Ouais, ah, bah, ça va, c'est bien sûr. Quelque chose va se passer. Alors, et nous avons une pensée pour tous ces peuples marocains. Et puis, n'oublions pas aussi la Libye qui a eu une pluie torrentielle qui a dévasté vraiment tout. C'est-à-dire que tout un village. Tout ça, c'est pas passé. Mais je pense que c'est le réchauffement climatique qui crée tout ça. Voilà pourquoi on demande toujours à nos dirigeants, surtout les grands du monde, de se mettre ensemble pour pouvoir aider vraiment certaines populations vulnérables. Waouh. Moi. Vraiment, nous avons une pensée pour tout ce peuple marocain, également une pensée pour tout ce peuple libyen, amis et frères de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Oui. Et nous sommes de cœur avec eux depuis les différentes nations. On ne peut pas continuer cette émission avec des informations de tristesse. On va parler un peu de joie aussi. Hein. Ah ben oui, on va parler un peu de joie. Et on va commencer avec déjà les premiers résultats de la 5e journée de la Première Ligue anglaise qui se sont disputés le week-end dernier. Oui. Et déjà, pour ce qui concerne la 5e journée de la Première Ligue anglaise, laissez-moi checker. Oui, on ne peut pas continuer cette émission avec les informations de tristesse, hein, le Père aussi, sans donner un peu de joie, surtout à tous nos amis qui aiment le football. On va commencer d'abord par les résultats de la Première Ligue anglaise, qui a meublé tout ce week-end. Voilà, on a suivi de très beaux matchs du côté de la Première Ligue anglaise. Puisque le championnat de Côte d'Ivoire, Ligue 1, et Côte d'Ivoire n'a pas encore démarré, on va partir un peu chez ceux qui ont commencé. Nous partons en Angleterre. C'est ça. Voilà, au pays des Free Lions. Les Free Lions de l'Angleterre. Et on va commencer avec le premier résultat. Il faut dire que les Reds de Liverpool sont allés s'imposer sur la pelouse des Wolverhampton 3-1. Et dans le même temps, Fulham s'est imposé à domicile face à Luton. Également, Tottenham a pris ses 3 points à domicile face à Sheffield United 2-1. Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse des West Ham. C'est du côté de Londres avec un score de 3-1. Manchester United, les Reds de but se sont inclinés à domicile face à Brighton 3-1. Oui, cette équipe de Brighton qui est en train de faire rêver toute l'Angleterre et la planète football. Oui, Newcastle, oui, les nouveaux venus, la nouvelle pupitre, j'ai envie de dire, la nouvelle équipe qui est en train de faire du boom du côté de l'Angleterre s'est imposée à domicile face à Brentford. Chelsea qui n'a pas pu s'imposer face à Bournemouth 0-0. Chelsea, vous l'avez connu en quelle année, Chelsea? Bon, Chelsea, depuis l'époque de Desailly Marcel. Depuis l'époque de Desailly Marcel. Après Marseille, Marseille, pardon, où l'Olympique de Marseille, il est allé
à la chose, comment on appelle, à Chelsea. Et là, je crois que moi, on a connu, moi personnellement, c'est là que j'ai connu ce club. Mais je crois que c'est avec l'arrivée de Abramovic et que, Roman Abramovic, que cette équipe a pris vraiment de l'envol. Oui, avec, surtout, avec vraiment ces oiseaux rares qu'il avait recruté. Et on ne peut pas parler des stars qui ont fait connaître cette équipe-là sans parler de l'Ivoirien. Didier Thiébié Drogba, il a marqué son temps, il a son soulier qui est toujours là-bas, il a sa statue qui est toujours là-bas. Vraiment, il faut dire merci à Drogba Legends. Waouh, Drogba est une légende du côté de l'Angleterre. Ça, c'est clair. Et du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous avons une pensée pour ces joueurs ivoiriens qui nous ont fait tant rêver. Ouais. Ils nous ont fait tant rêver. Un petit coucou à eux. On a connu notre première Coupe du Monde grâce à cette génération. C'est ça. On ne peut pas oublier. C'était en Allemagne en 2006. On continue, mais depuis que Roman Abramovic n'est plus le président de Chelsea, les choses ne vont pas trop bien. Oui, ça ne peut pas aller parce que ce n'est pas le même rendement. Ce n'est pas le même rendement. On a vu en Côte d'Ivoire ici, quand Simplice Zinsou avait l'équipe de l'Africa Sport, vous voyez quand il est parti, vous voyez comment l'Africa Sport se comporte aujourd'hui. Donc il y a des gens qui aiment le football, mais Roman Abramovic, lui, c'est pas de sa faute puisque la politique a fait qu'il a laissé le club. Parce que l'Ukraine est attaquée par la Russie. Tout le monde recherche les oligarques, c'est-à-dire les hommes d'affaires russes. Donc, pour ne pas perdre ses avoirs, il a préféré libérer ce club. Et aujourd'hui, je pense que le club est en perdition. À perdition. Égalé, Chelsea n'a pas pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Bournemouth. Crystal Palace s'est incliné sur la pelouse de Aston Villa, 3-1. Arsenal est allé s'imposer sur la pelouse de Everton, 1-0. Et ce soir, j'ai envie de dire qu'on continuera avec Nottingham Forest et Burnley pour clôturer cette cinquième journée du côté de la Premier League anglaise. Mesdames et messieurs, oh oui, vraiment cette émission-là me rentre la dedans aujourd'hui. Je suis tellement dans le tempo. Ouais, tu as du punch là. Je suis tellement dans le tempo. Mais on va partir pour la récap et puis on revient tout à l'heure. Je suis le Waraba 115, Idriss le Waraba 115. Ouais, je suis la chaîne IM.TV. Ouais, c'est zo, c'est chaud. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça, hein, c'est chaud même. Voilà, blague. Donc, c'est moi. Anuchi encore. De la musique depuis vos différents. Monsieur Kone, depuis une institution financière de la place qui nous suit depuis son bureau, un petit big up à toi depuis ta position, Monsieur Kone. Alors, gauche, droite et mieux vos derrière, on va danser. Matin, midi, soir jusqu'à l'aubaine, on va danser. Singalouke, Simalouke, Singalouke, tout maman, la ligne est dans l'autre. Singalouke, tout le monde les voit en l'air. Du côté du conseil régional de l'Indénier Douablin, voilà, le conseiller technique du président du conseil régional chargé de la jeunesse, monsieur Badrali. Oh, grand frère, big up à toi. Oh, je t'aime trop. Voilà, merci. Ouais,
Je voulais seulement, je voulais dire bonjour à nos abonnés du côté de HKB. Oui. Ouais, ils nous suivent ce matin. Ils sont très, 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 très en joie en ce moment. Ah, oh, voilà. On du côté du quartier HKB à Ben Gourou. On vous fait un petit big up. Et moi, je vais saluer tous mes amis de l'Omicro. Et sans oublier nos amis de Café Tour. On va saluer toutes les belles dames, depuis les différents bureaux, depuis le marché des cafés, tous les grands marchés, depuis le marché relais, sans oublier nos amis Dani Necro. Voilà, oh là là, oh les femmes, je vous aime trop. Oh, montez le beat. Parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. Aïe 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 aïe. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Aïe 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 aïe. Et dans sa tête, c'est Kafou Kafou. Pas plus loin, ton cœur c'est moi et c'est tout, c'est tout. Ah, c'est chaud ce matin. Tes copines me regardent trop chelou, chelou. De haut en bas, comme un pas de danse de kakou, kakou. On cherche à nous parler d'amour. Écoutez les gens, c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. C'est moi qui te parle, le couple c'est douloureux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. C'est moi qui te parle, le couple c'est douloureux. Amour, amour, amour. Oh, je vais saluer tout. Monsieur Smith, on va saluer. Ouais, je salue juste maman Olivia, c'est tout. Maman Olivia. Oh, maman Olivia, c'est tout. On salue pas une autre maman. Juste maman Olivia. Maman Olivia, depuis quel quartier? HKB. De I. Ouais, du matin, HKB est gâté ce matin. Ouais. On va saluer toutes les belles dames d'HKB. Moi, je vais saluer Mimi. Mimi du côté des HKB. Voilà, qui gère une boutique. Vous n'avez pas fait de publicité. On va pas donner. Mais elle nous suit. Elle nous suit également. On lui dit bonjour, 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 bonjour. Et surtout, passe une excellente semaine. Maman Mimi, je te souhaite de passer une excellente semaine. Et moi, je vais dédier ce morceau-là à toutes les dames qui sont du côté de l'INFAS, l'antenne régionale d'Aben Gourou, c'est pour vous. Oh, les bisous, je vous aime. Oh, montez le beat. Voilà. Ça, c'est la musique de patron. Hey. Papa François Cognier. On va chanter ensemble. Allez-y. Sanouma. L'empereur Papous Kader. Sanouma. Blé de Koudou. Sanouma. Sanouma. Manioca si passa Sanouma. Sanouma. Car de toi mon Dieu je ne serai jamais déçu. Hervé Ouattara. Dans tes oreilles vers moi viens à mon secours. Oh, 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 oh. Comment pourrais-t-on chanter sans te dire merci. Oh, oh béni le douanier. Nana Nyamé Sanouma. Ok. Ouais, ouais, non. La musique là vraiment. Mais hein. Moi, à chaque fois que je coupe le zoulou, oui. Tranquille dans mon corps. Tranquille dans mon corps. Parce que ça, c'est pour nous. C'est pour les douillards. C'est pour les douillards. Merci. Et on va continuer cette émission. On ne peut pas terminer. Un bon Ivoirien, quand il donne les informations sportives, il doit parler au moins de la Ligue 1 française. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on doit parler de la Ligue 1 française. Et nous étions aussi du côté de la Ligue 1 française. Du coup, on est à la 5e journée ce week-end. À coup de tonnerre, le PSG s'est incliné. 3-2 à domicile face à Nice.
Bon, j'ai vraiment pas de commentaires. Ouais, t'as pas de commentaires. L'équipe de Kylian Mbappé, la nouvelle pupitre. J'ai pas suivi le championnat. Mais le PSG, quand même, c'est une institution du côté de Paris, de la France. Ouais, c'est vrai, c'est un grand sans club. Sans tomber face à vous savez, c'est un grand club, mais aujourd'hui, toutes les équipes ont une ossature qu'on ne peut pas négliger. C'est ça. Donc voilà, si le PSG perd un match, bon voilà, peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement, sinon. C'est un match de football, c'est ça. Ah oui, mais quand on sait que Kylian Mbappé est devenu le nouveau patron de la maison de Paris Saint-Germain, Messi est parti. Le Brésilien Neymar est parti. Et les choses ne vont pas trop bien du côté de Paris Saint-Germain. Justement, c'est ça. Parce que vous savez, une équipe qui gagne, on ne la remplace pas comme ça. On ne la change pas comme ça. S'il y a des éléments qui sont partis, sachez que il aura forcément des problèmes. Ouais, les problèmes. Voilà, parce que ce groupe-là qui faisait tout le travail. Mais lui, comme il s'appelle Kylian Mbappé, lui seul ne peut pas faire ce travail. Comprenez. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait ces genres de résultats-là. Wow. Quand on se sépare de ces grands. Et c'est un Doya qui part. Ouais. Et dans cette même Ligue 1 française, il faut dire que Lens s'est incliné à domicile face à Mainz. La Reims s'est incliné également à domicile face à Brest, 2-1. Strasbourg et Montpellier se sont coupés la poire en deux, 2-2. L'Olympique de Marseille n'a pas pu faire mieux qu'un match nul blanc, 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Nantes est allé s'imposer sur la pelouse de Clermont. Lorient et Monaco se sont séparés sur un score nul de 2-2. Même score entre Rennes et Lille. Pour clôturer cette cinquième journée de la Ligue 1 française. Voilà. Du côté de la régie, est-ce qu'on peut me donner quelque chose pour saluer tous ces élèves-là qui viennent de reprendre les classes du côté voilà. Est-ce qu'on peut me donner quelque chose? Menace à monture, car toute réussite a une histoire. À l'escalier le prince de la vie. Et moi j'écris mon histoire. La gloire ne s'obtient pas facilement, mais rien n'est impossible à la force du travail. On a commencé tout en bas. Les amis, rendez-vous au sommet. Willy Aïe. Au nouveau sénateur, le président Mohamed Elmas Aliste du côté du conseil régional. Désormais, on va dire le vénérable sénateur Mohamed Elmas Aliste. Oh, je t'aime trop, mon papa. Voilà. Richard Vanel. On s'en va, président. Johnny Bar. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne l'argent. Alors je ne perds de rien, tout est déjà accompli. Ils essaieront de nous embrouiller, oh. Mais ils ne peuvent plus nous arrêter, oh. Maman m'a déjà béni, papa m'a déjà béni. Aïka Bakemi, Niamie Irami Soué. C'est un fils de la cité et c'est lui qui nous donne ce bon titre. Allons au sommet. Didier Demo, on te salue depuis un espace de la place. Mesdames et messieurs, Didier Demo. Oh, le son. Monsieur Hospice, cet enfant-là, il est encouragé. Oui, il est encouragé. Je pense qu'il fait son chemin. On le suit et puis on espère qu'il aura. Il y aura des personnes qui vont l'entourer, qui vont faire qu'il va décoller. Oh, tout le mal que nous souhaitons à Didier Demo, c'est de faire une carrière professionnelle du côté du showbiz ivoirien. Alors, on peut écouter au sommet de Didier Demo. Didier Demo, voilà. Est-ce qu'on peut... On est au sommet. Aïe. 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 Ok, allumez la télé. Allez.
pas loin. Hospice, c'est ça, hein, un enfant béni. Il va souffrir, mais il n'aura jamais la honte. Ça, c'est ce qu'il dit, hein. C'est clair, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. On dit, oh, Didier Demo, c'est un grand frère, un aîné que nous saluons. Voilà, Didier Demo, qui était un très, 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 très bon artiste de la cité. Malheureusement, M. Hospice, le temps qui nous est imparti tire allègrement vers sa fin. Bien, moi, je. Enfin, ce que je voulais dire, nous sommes toujours contents d'être là. Nous sommes toujours contents d'égayer, nos auditeurs, nos abonnés, voilà, comme ce que je voulais dire, nos abonnés. Et pense qu'on va continuer comme ça toujours. Je vais aussi profiter de l'occasion pour saluer M. Sanogo et Mme Roselyne de l'autre côté de Paname. Ouais. Bonne journée à eux là-bas et puis bon début de semaine. Ouais, M. Sanogo du côté de Paris. Ouais. Et Madame Rose. Ouais, moi j'appelle tout ça Paname. Paname. Voilà. C'est de l'autre côté. Elle est là en Italie. Ouais, c'est tout ça. Mais moi je vais saluer Maman Mélège depuis Toulouse, qui prend son temps, qui nous suit, qui commente tous nos postes. Vraiment, Maman Mélège, depuis Toulouse, nous te disons vraiment merci, merci. Anani, maman, je vais te dire, mon ami. Anani, quand on veut dire merci, on dit mot. Da, mot. Amitié. Angulo, on va dire quoi? Amitié Lombé. Merci. Je te salue du côté de Toulouse. Voilà, merci. En BT, on dit Ayawo. Ayawo. On dit ça comment? Ayawo. Ayawo. Ah, ok. Ou merci. Certains aussi dit Ayo. Ayo. Voilà. Ça, maman, ça dépend, Ayo. Ça dépend de la région. Voilà. Maman, Ayo depuis Toulouse. Voilà, sois salué depuis ta position, maman Mélec. Oh, bisous à toi. Et on salue toute la famille du côté de Toulouse et tous ces abonnés-là qui sont pas de la Côte d'Ivoire, mais qui prennent le temps pour nous suivre. Merci. On va terminer cette émission avec une belle musique. Le Père Hospice. Voilà, tous les jours, même heure, voilà, même lieu, même antenne, j'ai envie de dire, de vous abonner sur UM.TV pour partager ces moments de joie avec nous tout le matin. Les lundis, mardi, jeudi et vendredi, ça sera comme ça. Ambiance studio, on va s'amuser. Je vais saluer du côté de la technique Michel Aouman qui a assuré tout ce qui est caméra et du côté du son. On va saluer Monsieur Edoumou Victor qui a pris tous les sons. Je l'appelle Victor Adobe. Victor Adobe, voilà, un grand de la maison mère. Ouais. Voilà, il porte le nom d'un grand de la maison mère. Et on va trembler un peu ce matin, on va les partir, n'est-ce pas? Et si on tremble un peu? Ok, merci et puis bonjour chez vous. Et bon boulot à tout le monde. Willy Dombo. Avec Téné. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Fini quoi? Yakuba, Aïcha, tremble. Ok, merci. Merci. Je suis avec le charade. Killer l'argentier. Je suis avec le charade. Le papiste. Rika Kese. Rabin Goro. El Hadj Buena Mouba. Aïcha, Ramblin, Rassadon, Betichin, Eri